la manière par laquelle nous refusons de procéder, c'est-à-dire commencer à expliquer la grammaire aux enfants et ensuite leur demander de l'appliquer. Nous procédons en ordre inverse, c'est que d'abord, nous voulons que les enfants, sans objectif autre pour eux que d'explorer, explorent la langue. Par exemple, que ces mots que l'on place dans la case marron et que sont les pronoms, ils ont une fonction bien particulière, c'est qu'ils servent à remplacer des noms. Le facteur distribue le courrier. Pronominaliser le courrier. Est-ce que ça a du sens? Vas-y. Le facteur le distribue. Ce sont deux modèles différents du français. L'outil central, l'outil pilier, c'est le panneau des catégories de mots en français, qui est organisé autour du nom et du verbe. Il représente tout le français. Vous saviez bien comment s'appelaient les mots que l'on place ici, les déterminants, et les mots que l'on place ici et qui sont les pronoms. De quoi s'agit-il? Non. Allez? Non. Les noms? Adjectifs. Les verbes. Les prépositions. Jean a réparti les bonbons. Jean a réparti les bonbons. Alors, l'avantage d'un travail comme celui-ci avec ce panneau, c'est qu'on peut faire beaucoup d'exemples. Lorsque je suis face aux fidèles, il y a une prise de conscience qui vient très vite, c'est que quelle que soit la phrase, je peux la pointer. C'est un outil donc qui rassemble toutes les graphies possibles des sons en français. Les enfants crient. Et on va explorer toutes les colonnes, en commençant par les consonnes, parce que ça, c'est plus facile. Parce que quand il y a les EE, les IE, les UE, on ne peut jamais travailler sur un objectif sans travailler sur les autres. Sauf dans un enseignement parcellaire, conjugaison, orthographe lexicale, lecture, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis au contact de tout moi, je suis un être intègre, je suis présent à tout.